je pense que tout le monde a dû lire cette lettre. Et je pense que vous avez raison de parler de lettre parce que c'est exactement comme ça que je l'ai prise. C'est-à-dire, c'est une lettre qui est signée par une mère et par une femme, donc, mais qui est mère, et par la fille de Hessen. Et en lisant cette lettre qui m'a été adressée, j'ai trouvé que c'était une lettre très digne, que le ton était très mesuré et qu'elle s'adressait beaucoup plus à quelqu'un, à la sensibilité du président et à sa façon d'être un homme, quoi, un homme, comme je veux le dire, que j'ai trouvé qu'elle était très digne. Et c'est pour ça que je l'ai signée. C'est ça qui a fait que j'ai trouvé qu'elle s'adressait véritablement, justement, à l'homme que pouvait être le président et qu'il ne pouvait pas peut-être rester insensible à ça, à cet appel au sens fort du mot, à cet appel d'une femme et à cet appel d'une fille. C'est rare vous signer une lettre, une pétition. Très peu. Je pense n'en avoir pratiquement pas signé, peut-être une ou deux, mais je ne me souviens pas. Et oui, bon, il y a eu des réactions. Après, j'ai eu des réactions aussi bien négatives que positives, bien entendu. On m'a demandé si c'était un engagement, si c'était une prise de position. Et j'ai dit non, c'est une façon de répondre à quelque chose qui m'a sauté aux yeux en lisant cette lettre, à ce besoin, à ce manque que j'ai véritablement ressenti. Je crois que... Et c'est important aussi de considérer toutes ces personnes comme des êtres humains à part entière, voilà, avant toute autre considération. Et puis, on m'a signalé que j'étais l'une des rares personnes vivant en Algérie d'avoir signé ce texte. J'ai dit que j'assumais cela totalement. Merci.